Grenoble, c'est l'exemple à suivre pour Nantes. Solidarité et combativité font la réussite du promu. Les Nantais doivent s'en inspirer et il ne faut pas demander à ses joueurs un changement d'état d'esprit. Tout un programme. Deux équipes qui ne se livrent pas pour l'instant. Début de match très prudent des deux côtés. Pour l'instant, match fermé. Maréval. Alors que Laroche réclame le ballon. Finalement, c'est pour Bagayoko, côté gauche, qui va les provoquer main froide. Bagayoko, petit centre, c'est bien fait. La tête de Darocha, oh, ça va passer juste au-dessus. Voilà la première occasion nantaise après 12 minutes de jeu. Et bien sur ce petit débordement de Bagayoko, il va fixer son défenseur, centrer pour Darocha. La bonne extension, ça passe juste au-dessus. Gros avertissement pour la défense de Grenoble sur ce coup bien joué de la part des Nantais. C'est passé. Le décalage est pas mal fait. Fégouli va frapper. Fégouli qui frappe de loin. Fégouli ! Et le bel arrêt de Jérôme Alonso sur cette belle séquence de jeu de la part des Grenoblois. Belle assurance du jeune Fégouli. Belle parade d'Alonso. Avec 4 joueurs nantais dans le mur, c'est peu. Même s'ils ont de la hauteur. Batles, Robin. C'est Martial Robin qui va frapper. C'est parfait. L'arrêt en volée de la part de Jérôme Alonso encore une fois. C'était bien tenté. Mais le gardien nantais encore une fois bien présent, hein, bien calé sur sa ligne pour sortir ce ballon. Toujours 0 à 0, le match s'emballe. Non, c'est Fégouli qui va prendre sa chance. Batles qui peut donner à Fégouli la frappe, l'énorme frappe de Fégouli. Oh, ça passe juste à côté. Ça retombe juste derrière la lucarne de Jérôme Alonso. Frappe magnifique. Et beaucoup de réussite d'Alonso, car si elle est cadrée, c'est l'ouverture du score pour Grenoble. Moubarki, Batles qui redonne à El Moubarki. C'est bien combiné côté gauche. Batles qui va attendre son camarade. Il peut feinter Batles dans la surface de réparation. Maintenant, attention à ce ballon. Hors-jeu. Hors-jeu signalé par l'arbitre assistant. Allez, on revoit ce but refusé pour une position de hors-jeu. Et pas évident parce que c'est un Nantais qui remet ce ballon sur Nassim Akrour. Endo, pas de faute de Endo. Qui peut donner côté droit, Bekamenga. Bekamenga dans l'intervalle. Avec cette frappe de Fati, pourquoi pas, ça va au-dessus. Et ça vient récompenser une bonne période pour les Nantais, hein, vraiment. Une grosse colère de Bazdarevic au bord du terrain. Car il sent que les Nantais sont un petit peu mieux là depuis 10 minutes. Avec cette louche. Pour Maréval, si ça passe, ça peut être dangereux. Maréval qui emmène son ballon, qui peut centrer fort. Maréval, l'intervention de 20, mais c'est pas fini avec Bekamenga qui peut frapper. Et l'ouverture du score pour les Nantais. L'ouverture du score, on le pressentait vraiment avec Bekamenga. Regardez, il va traverser tout le terrain pour aller embrasser son entraîneur Bekamenga. Hop là, avec ses sauts olympiques dans les bras de son entraîneur Olibo. Et finalement, sur une longue touche, sur un ballon mal renvoyé par Grégory Vimbé, le bon crochet de Bekamenga. Et du crochet, il ouvre son pied, petit filet. Ça fait 1-0 pour Nantes. Et c'est logique en deuxième période. On n'a pas vu Grenoble. Après Bordeaux en championnat, Nancy en Coupe de la Ligue, et bien c'est Nantes qui vient gagner ici au Stade des Alpes. Nantes combatif. Et bien Libop demandait un changement d'état d'esprit. Il a eu ce changement d'état d'esprit. Première victoire à l'extérieur des Nantais. Ça vaut cher. C'est bon pour le moral.